Bienvenue dans ce nouveau vlog cosy du dimanche dans lequel je vous partage certaines petites choses. Je vous montre un petit peu comment vont mes plantes en ce moment. Je vous montre quelques soins et entretiens. C'est parti pour cette nouvelle vidéo. Je commence cette vidéo en vous parlant de la dernière plante que j'ai achetée puisque j'ai acheté un Noya Oshkalana variegata dans mon magasin de plantes préférées. Alors si vous m'avez un petit peu suivi dernièrement, vous avez vu que j'en ai acheté un sur Etsy, un tout petit puisque je ne le trouvais nulle part et il a fallu que je l'achète sur Etsy pour que je le trouve enfin dans mon magasin de plantes préférées. Donc j'ai acheté une grande potée que j'ai découpée en 4 parce qu'elle prenait beaucoup de place dans son pot et donc je l'ai mise un petit peu partout dans mon appartement pour tester plusieurs éclairages. Donc ici c'est la potée la plus grande. Des nouvelles de mon épiprénum Pinnatum variegata, il pousse plutôt bien, il devrait juste avoir un tuteur un peu plus grand et je devrais l'attacher au tuteur, mais sinon je trouve quand même que sa pousse est assez rapide. Des nouvelles de mon philodendron Cream Splash que j'avais mis en pont dans une vidéo précédente, eh bien il a fait une nouvelle feuille qui est tout petite mais qui est très très cream, vous le voyez, il est collé à la fenêtre et je pense que ça lui va plutôt bien, j'espère que ses feuilles vont bientôt grandir. Alors nous avons mon philodendron McDowell qui a toujours sa feuille déchirée mais j'ai l'impression qu'elle se porte bien malgré sa feuille déchirée, écoutez, moi il me plaît bien. Ensuite nous avons ma Monstera taille constellation, alors elle se fait souvent incendier hein, quand les gens la voient, ils la trouvent pas très belle et écoutez moi ça me brise un peu le cœur parce que c'est une plante que j'aime énormément. Alors par contre c'est une plante très très lente à la pousse. Vous voyez cette feuille, je vous en avais parlé, on m'avait dit que c'était peut-être lié à un choc de l'envoi parce que c'est une plante que j'ai commandée sur internet et peut-être que soit elle est née comme ça cette feuille, soit elle s'est déformée lors de l'envoi, elle a subi un choc, on sait pas trop, mais elle s'est jamais remise tout à fait droite, mais bon voilà, je l'aime comme ça et j'en voudrais une autre pour rien au monde. Petite calathea, alors elle est en terre et elle me fait régulièrement des nouvelles feuilles, alors je la laisse vraiment à cette place là qui je trouve, c'est à 2 mètres de la fenêtre, lui va plutôt bien. Je suis assez étonnée parce qu'elle n'a pas tous les indésirables que j'ai en ce moment. Alors à propos d'indésirables, nous avons mon philodendron majestique qui pousse malgré des cochenilles et des trips assez régulièrement sur ses feuilles. Donc voilà, c'est un warrior parce que franchement elle se tape plein d'indésirables. Mon Syngonium Greyjoy qui me fait des feuilles avec du rose, hein, je le trouve extraordinaire, à chaque fois des feuilles différentes, c'est trop trop chouette. Vous voyez un autre exemplaire de mon Noya Oshkaliana, une autre petite version toute petite que j'ai mise sur ma cheminée. Une autre version encore sur ma bibliothèque. Donc je teste vraiment toutes les orientations de mon appartement. J'en ai encore un dans la chambre du côté est de l'appartement. Alors dans le coin de la cuisine, nous avons eh bien ce Syndapsus Truby Mint dont je vous ai parlé encore dans la dernière vidéo. Il pousse des feuilles pas très grandes, mais écoutez, je vais le mettre sur tuteur et je pense que ces feuilles grandiront au fur et à mesure. Je suis très contente. Nous avons mon Hoya Polyneura variegata, alors lui il me fait des nouvelles feuilles qui sont pas hyper variegata, mais peut-être que voilà, il a peut-être pas assez de lumière, il pourrait être un peu plus proche de la fenêtre pour rester variegata. Voici la version de l'Oshkaliana que j'avais acheté sur Etsy qui me fait une nouvelle feuille tout de suite, donc je suis super contente parce que je l'ai quand même depuis seulement 3 semaines.
mon petit oyamatil qui pousse plutôt bien. Je l'avais acheté bébé sur Plantes et là, vous voyez, hein, il fait plein de petites feuilles alors qu'il n'en avait que quelques-unes quand je l'ai acheté. Je suis très très contente de sa pousse. Et puis mon Synapsus Silver Lady, la nouvelle feuille, je crois que je devrais le mettre également sur un tuteur un peu plus grand. Voilà, donc des nouvelles plutôt chouettes. Toujours cet Aglaoneva que je trouve extraordinaire, qui fait un feuillage de fou. Je trouve il est quand même flamboyant. Je vous ai parlé dernièrement de ce Pothos Golden qui pousse sur ma bibliothèque tous les jours. Je vois qu'il est un peu plus long. Mon Galatea, je vous le montre tout le temps. Cette Galatea, je vous la montre tout le temps. Elle va très très bien. Et ici, vous voyez, j'ai mon Regal Sheet, mon Alocasia Regal Sheet qui me sort une nouvelle feuille. Je suis trop contente. Et également mon Syngonium, c'est Mojito, oui, c'est ça, qui me fait également de nouvelles feuilles. Donc ces deux plantes-là vont super bien. Et alors, la pousse de folie de ces deux Maranta que j'avais mises en pont il y a quelques mois. Je les avais achetées en jardinerie. Dans un état pas fameux, et elles sont reparties de plus belle en pont, la Silver Bad et la No ID. Je suis hyper contente, elles font pouce sur pouce, elles sont super heureuses en pont. Et puis vous avez vu, j'ai habillé mon petit pot jambes, je lui ai mis un petit Pothos, un petit Synapsus que j'aime beaucoup, je pense que ça lui conviendra bien. C'est pas une orientation de fou, c'est pas une exposition de fou, mais ça lui ira. Alors lui, il souffre un petit peu en ce moment, j'ai pas été voir de plus près, mais je pense qu'il a peut-être des nuisibles, je vais un petit peu inspecter ça. Donc voilà. Je me suis un petit peu occupée de ma serre pour voir un petit peu ce qui survit, ce qui meurt. Vous voyez, il y a une, deux, trois, quatre plantes qui sont... Non, il y en a trois seulement qui sont décédées, mais sinon, il y en a qui poussent plutôt bien. Nous avons notamment le Syngonium Batik, il me semble. Mon troisième philodendron McDowell, le tout petit que j'oublie tout le temps. J'oublie tout le temps que c'est un McDowell. Il me fait des nouvelles feuilles. Il est en pont, mais en serre. La résurrection de mon philodendron Bilitae, je pensais qu'il était mort et en fait non. Il me refait une nouvelle feuille, donc je le laisse en serre, je vais le laisser pousser en serre. Alors passons aux choses qui fâchent, on va parler indésirables. Si les trips me laissent un peu tranquille dans ce coin-là grâce aux acariens prédateurs, eh bien c'est les cochenilles qui se sont ramenées en nombre. Du coup là je fais un petit traitement avec de l'alcool, je viens tremper un coton-tige dans de l'alcool et je viens enlever les cochenilles une par une. Alors je viens de découvrir les cochenilles dans ce coin-là, donc je ne fais que pour le moment un traitement localisé sur chaque feuille, donc je les enlève une par une, je viens frotter, puis frotter le coton-tige sur un petit chiffon. C'est vrai que je devrais rempoter toutes ces plantes, je pense que c'est quelque chose que je ferai la prochaine fois, je vérifierai dans quelques jours s'il y a de nouveau des cochenilles. S'il y en a de nouveau, je ferai également un rempotage, mais là je vous avoue j'avais un peu la flemme de tout de suite faire un rempotage puisqu'il y a quand même pas mal de plantes qui sont touchées. Surtout ma Calathea orbifolia qui est particulièrement touchée, je dois aller vraiment partout dans tous les petits interstices parce que oui effectivement les cochenilles se cachent dans les endroits les plus inaccessibles, donc c'est parfois difficile de s'en débarrasser. Donc petit traitement pour ces plantes et je pense que je vérifierai effectivement dans quelques jours si je dois pas faire des rempotages et recommencer un traitement peut-être plus fort. Et c'est avec ces plants très ragoûtants et quelques plants d'arrosage que se termine cette vidéo. Donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. À bientôt.